Donc j'interviens pour présenter le plan Vélo. L'idée, c'est vraiment de créer un échange avec l'Assemblée citoyenne, à la fois de les alimenter sur, comme je vous le disais, tout ce qu'on a pu engager, sur des données très, très précises qui ressortent aussi du questionnaire et de la concertation qu'on a réalisée, et en même temps de nous nourrir des réactions très, très à chaud, comme ça, très, très directes, qui correspondent aussi aux réactions des habitants. Donc en termes de communication, en termes d'approche, de pédagogie, c'est peut-être aussi intéressant de retravailler, en tout cas de repenser la chose. Donc c'est vraiment hyper intéressant, je pense, dans les deux sens. Les ateliers de travail, ça permet d'intégrer la population et de leur montrer que c'est pas si simple. C'est-à-dire que faire un projet, il y a des contradictions, il y a des équilibres, des enjeux à trouver, et trouver une espèce de commun n'est pas évident. Nous aussi, on a des choses à dire en tant que jeunes par rapport à l'usage de la voiture, des transports en commun et aussi des véhicules, on va dire, un peu plus écolos comme la trottinette ou le vélo. Je trouve que justement, toutes les données numériques des experts, elles ont été très importantes, bien que c'était très mathématique, mais j'ai trouvé ça bien important dans le cas de la thématique concrète, justement.